On s'est inscrit dans une logique ascendante qui intègre les éléments de déconcentration, de décentralisation qui sont au cœur véritablement du système. Deux, il y a eu une volonté réelle à ce qu'on passe, et il faut le rappeler, on passe d'une logique où tout est centralisé à une logique ascendante où c'est le citoyen qui est véritablement, je dirais, l'initiateur de l'ensemble des projets ou des besoins qui sont exprimés. Deux, on a également donc introduit un nouveau système de gouvernance et qui vise essentiellement à décrire ou à décliner cette logique participative en intégrant donc, je dirais, une trilogie où nous avons les citoyens qui sont porteurs des projets, où nous avons les élus locaux, où nous avons l'autorité locale. Et donc, la société civile, représentée par, je dirais, les associations et les citoyens, donc sont tous autour d'une table pour décider de, je dirais, donc, des projets qui seront retenus. Et en soi, on peut considérer aussi que c'est une nouvelle approche participative qui permet finalement de faire asseoir des gens qui avaient du mal ou qui s'inscrivaient toujours dans une logique d'autorité entre eux. Aujourd'hui, ils sont tous au même pied d'égalité pour discuter, pour partager et pour pouvoir, je dirais, donc décider de l'avenir des projets qui sont proposés. Donc, participation est pour moi le mot-clé dans le cadre de l'initiative nationale pour le développement humain. Qui concerne donc les populations rurales et des populations qui sont urbaines, mais dans des conditions évidemment de pauvreté, et ça c'est un élément important, qui est le deuxième. Elle associe une démarche qui, pour la première fois chez nous, fait la différence entre la pauvreté et l'exclusion, partant du principe que la pauvreté est plutôt rurale et l'exclusion plutôt urbaine. Elle apporte aussi une autre dimension au niveau de la nature, je dirais, des projets. Il y a des projets transversaux, il y a des projets de lutte contre la pauvreté, ceux qui sont pour la lutte contre l'exclusion, et tout ceci fait que c'est un champ différent. Et enfin, le champ, je dirais, de gouvernance, dans lequel elle apporte quelque chose de nouveau, qui est en effet la gouvernance participative et, bien entendu, l'apport à des tiers, notamment la société civile, pour contribuer, participer. Effectivement, donc si on veut qualifier le Maroc il est ni dragon ni émergent. Le Maroc est dans sa phase de progrès émergence, qui est une phase où on va graduellement réunir les prérequis institutionnels, politiques, économiques et sociaux pour pouvoir entamer l'émergence. Donc le Maroc, via cette initiative, et je vais expliquer mieux pourquoi le qualificatif visionnaire, on ne cherche pas que la croissance. On se vient de se rendre compte que la croissance ne peut pas résoudre tous les problèmes, donc on cherche la croissance plus la transformation, donc plus une inclusion sociale et de façon aussi une façon de répartir plus équitablement les gains de la croissance par la suite. Et via cette initiative, on l'a pas cherché, mais on a été, disons, avant-gardiste parce qu'on ne veut pas tomber dans le même problème dans lequel sont tombés les grands émergents. C'est la contradiction de l'émergence. On a la croissance d'un côté, mais on a de gros problèmes qui sont liés à la pauvreté. Les acteurs non gouvernementaux, c'est-à-dire entre des représentants des pouvoirs publics et les citoyens associatifs, cette relation s'est transformée en relation de méfiance et d'éloignement à une relation de confiance et de partenariat. Donc on peut dire que depuis la mise en place des dispositifs participatifs dans le cadre de l'UNH, transformation s'opère progressivement dans la relation entre les associations de la société civile et les pouvoirs publics et de manière générale l'administration. On doit dire que l'INDH, en introduisant la société civile, a fait un travail qu'on pourra qualifier aujourd'hui de remarquable. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre d'associations existantes, d'abord, puis de nouvelles, sont venues s'associer donc, à l'effort de l'État dans le cadre de la mise en œuvre. Cet effort, parfois, est financier, mais il est surtout au niveau de l'animation et de la réalisation des projets. Et à ce titre, il est évident que ceci a un impact très important. Donc je pense qu'on peut dire par ce biais-là
il y a quelque chose de positif qui est arrivé. Et je dois dire, c'est important parce qu'on voit qu'en ce qui concerne les projets, leur participation atteint jusqu'à 65% donc de la participation à la réalisation des projets, ce qui est énorme, avec une participation, bien entendu, moins importante sur le plan financier, mais qui est à peu près 18%. Donc tout ça. Donc c'est une nouvelle logique, c'est une nouvelle logique. Qui est née. D'un autre côté, dans les instances, cette fois-ci, de gouvernance, on trouve, bien entendu, des comités de progression, des comités de cours, une représentation de cette société civile et des acteurs de terrain. C'est une approche qui permet d'emprunter une voie plus démocratique. Alors, rien qu'à voir, pratiquement, là, je parle sous le contrôle de la coordination nationale du INDH, il y a plus de 700 comités régionaux, provinciaux, locaux qui ont été, qui sont là pour. Disons, assurer un processus de prise des décisions démocratiques. Voilà. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que l'INDH, non seulement elle initie les projets, mais va jusqu'à les auditer, aussi donc afficher les résultats. Et là, nous sommes face à une nouvelle façon de gérer, une nouvelle gestion qui s'appuie plus sur la transparence et sur la cohérence.